Maureen est mal placée. Dans la salle de bain, derrière, juste à côté du gène. Après, je peux bloquer les mecs dans la salle de bain en vrai. Il y a un mec qui est juste au-dessus, je crois. Maureen, je pourrais pas le protéger, c'est pas possible. Ils sont moins deux sur le gène. Ils sont trois sur le gène. Message. Si j'ai le temps. Ça m'étonne qu'ils aient pas fini le gène. C'est du grid, hein. J'aurais dû tenter de la rappeler, quoi. J'ai grid. Je pensais qu'elle allait fuir et tout, que j'allais claquer la P3, utiliser pour y jouer. On appelle du grid tout simplement. Après c'est pas fini. Il y a Feng qui est en face de moi qui part vers la gauche. Fuck. Ok, à prendre de toboggan. Bois frère. La force elle est de ce côté là, c'est parfait. Est-ce que j'ai avoir la palette à gauche là? Non. Ok, je laisse ça. Hop, on a accroché à côté, c'est parfait. La P3 est assez ok, j'ai chopé deux personnes, c'est cool. On enchaîne. J'ai accroché au milieu, on est sur The Game. Ce qui fait que mon chili est très rarement. Mais c'est pas très grave parce qu'il y en a juste à côté. J'ai tout rejoué. Ok, on va faire ça deux fois d'affilée vraiment. Oh, j'ai des armes. Un brain, let's go, on va pas être en face. Jujuga Jim Cole. Comme on sait qu'on peut pas la choper, on en profite pour traquer parce qu'on a rien d'autre à faire. Là, elle va jouer avec la fenêtre. Non, elle va jouer avec que dalle en fait. Je croyais qu'on était plus proche du Jungle Gym. Ok. J'ai essayé de choper la ping avec la P3 mais ça va être tendu. Je vais pas prendre le risque.
Mettre deux coups en P2. Le cut est vraiment bien là. C'est ce qu'il faut. J'ai le dédard, non? C'était vraiment bien joué. Hein. Je pensais pas qu'il y avait quelqu'un dédard vers la fin, quoi. Ah, ok, j'ai un crochet à côté. C'est un peu la merde là, hein. Pas vous le cacher. Oh, la quête, let's go. C'est à gauche. Je crois qu'elle a rien là. Il y aura peut-être un truc en face. Let's go. Là, c'est au moment. De toute façon, c'est le moment où il faut comeback, sinon, c'est jamais quoi. Avec cette P3 là. Avant qu'ils aient retouché au gène. C'est pas le cas. Le mec full life est là. Hein. C'est la double trace, on est d'accord. Et non, c'est pas de la double trace. Fuck. La clé doit être encore là, doit être cachée. Ah dommage. Perdu la clé là-dessus. Félicitations selon OP selon toi pour Maher sans P3 histoire pour gratter du temps. Ça peut être intéressant. Agitation de toute façon reste quand même intéressant parce que ça te fait gagner du temps et le temps t'en as toujours besoin. Ah, t'es toujours à la recherche du temps en tueur. On peut la slug à la limite. Hein. Si on va faire ça. Comme ça on peut s'en servir d'appât. Attends, mais là, c'est les traces d'un mec blessé, là. Et là, je poursuis vraiment la fin, là. Putain, mais what the fuck? Bah, j'ai à toi, man. Mais je sais pas où est parti l'année, en fait. Je sais pas du tout où est parti l'année. En fait, depuis tout à l'heure, je suis la fin, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être aveugle dans le jeu. C'est incroyable, quoi. Alors là, faut pas de choc par contre. Ok. Alors, étape par étape. D'abord, on accroche la Claudette. On utilise de tout le jeu sur le gène. Ensuite, on arrive sur Anéa. Oh mon dieu. J'ai oublié ce détail. Je vais peut-être pouvoir l'accrocher là-bas. On va tenter de l'accrocher. Hein. Ok, je vais pouvoir l'accrocher largement, let's go. On génère un autre tour à jouer. C'est quoi ces crochets à 15 km? Bah c'est tout simplement un survivant qui a saboté, c'est la Néa. Ok, j'ai pas le temps, ils vont retoucher au gène. J'ai crit peut-être, je sais pas. Non, il court au gène, J'ai bien fait de reverse. Ils se huilent pas, ils veulent juste finir ce gène de mort.
petit peu sur la fin. J'ai à 3 man, c'est vraiment bien joué. Ultra bien joué en fait, j'utilise mon tour et joué, je vais sur elle. Oh là mon dieu. Ils sont tous volonté de faire d'ailleurs. Il va y avoir beaucoup de spirit en ce moment. Ok. Elle est en P3 elle. On va revenir sur le jeune en face en bas là dans le train de map. On a besoin de le protéger vite. Il a bien régressé le jeune. Elle part loin. Ok, alors il y a un mec qui est en face de nous, d'accord. On fait comme si on l'a pas vu, on fait comme si on l'avait pas vu derrière ce truc. On tape le jeune et ensuite on va sur lui. Voilà la Claudette qui est là, là vous l'avez vu. Et là le jeune est en train de régresser, là je chase les gens, donc là c'est intéressant. Toi t'as pas monté de faire par contre, comme la Claudette. Tu peux avoir des dards par contre, non? Des dards? Let's go. Ouais, il y aurait beaucoup de spirits pour le moment, parce que les gens ont envie de jouer spirit, non? C'est, parce que la spirit c'est un perso Gauthier, donc c'est pas très étonnant. Après il y a des vagues, on va dire. Et actuellement, en survivant, avoir volonté de faire ça aide beaucoup pour contrer les spirits. Bon bah là par contre je suis en train de comeback, ce qui est plutôt pas mal. Après la game n'est pas finie mais... Attraper là... Oh, let's go. Directement sur la trappe. Alors faut savoir que sur The Game, ouais, je vais pas prendre de risque, je vais d'abord fermer la trappe, frère. Les deux portes doivent être sont aux opposés, donc ok, bah de toute façon je l'ai vu, elle est là. Je vais pas la traquer là, vraiment. Let's go. Ok. Bah ouais, c'est assez étonnant. Je m'attendais pas à comeback. Là. Mais ouais, au final ça va. J'ai perdu mon win très rapidement. Le tour et jeu a beaucoup carré dans cette game. Ouais, bah ça reste une game très cool là pour le coup, je m'attendais pas à ça. Là, je pensais que j'allais me faire éclater, et en vrai... Bah en fait ils étaient en focus que sur un gène et pas sur l'ensemble des gènes quoi. C'était assez abusé. C'était vraiment dans le gène dans le coin de map, en plus c'est un gène en coin de map. C'est plus facile à défendre pour un tueur, parce qu'en gros le tueur arrive du coup vers le coin de map, et les survivants, bah ils sont dos au mur en fait. Bon, même si c'était un Jagged Gym LT et tout là, enfin double fenêtre. GG.